Alors, chers membres du CODIR, chers invités, encore une fois, nous vous remercions d'être là aujourd'hui avec nous pour cette journée exceptionnelle. Comme je le disais, c'est un grand honneur pour moi d'être là parmi vous aujourd'hui pour en fait lancer une nouvelle campagne de notre marque axée sur l'établissement d'un lien émotionnel et très profond avec la jeunesse africaine en général et la jeunesse congolaise en particulier. La campagne Au-delà de l'imagination souligne le statut d'Airtel Africa en tant que facilitateur des rêves et des ambitions des jeunes, quels qu'ils soient. Pourquoi Au-delà de l'imagination? Comme j'ai dit, on parle avant tout à des jeunes qui, pour qui l'imagination a de l'importance. Des jeunes qui, le matin, quand ils se réveillent, ils ont une idée, ils veulent que tout le monde sache que voilà, j'ai une idée, ils veulent partager tout de suite cette idée-là. Et RTL est cette plateforme aujourd'hui qui permet de mettre en valeur ces idées. Quand on a fini d'imaginer, il faut vendre son œuvre. Donc tout va déboucher sur l'argent. Voilà pourquoi RTL Money va accompagner cette campagne en sept coins. Nous allons accompagner cette nouvelle campagne en changeant totalement notre manière de penser, notre façon de faire, notre façon d'être dans la gestion de toute notre chaîne de distribution. J'aimerais qu'ici, en présence de tout le monde, savoir si notre team de management peut rassurer la jeunesse sur l'éventualité, sinon l'arrivée prochaine, de plusieurs offres qui vont faciliter, mais qui vont vraiment attirer la jeunesse. RTL est en train d'amener sa propre autoroute, qui est le câble tout Africa. Quand ce câble va arriver, et il arrivera, nous aurons notre propre autoroute. Donc, il y aura un impact, ce qui veut dire que nous allons avoir des coûts moins élevés.